Par contre, arrêtez de me draguer parce que je prends ça comme d'agrésement. Vous prenez ça comme quoi? Non. Hey, vous voulez que je vous dise un truc dessus? Non, franchement, non, je prends. Quand je drague, oui. Quand je drague, je vous jure, c'est pas comme ça. Comment ça? C'est pas comme ça. M'en fous. La prochaine fois, vous ferez le double. Y'a pas de prochaine fois. Ah, c'est ça qui a vu. La cavale de Yogtfou, c'est maintenant! Là, les gars, faut que j'aille me raser direct. Bon, déjà, faut vite que j'aille me changer pour qu'on se paraisse incognito. Pour de ça, les gars, je pense que dans le nord, je suis moins cramé que dans le sud. On va se faire un nouveau personnage et ensuite, on descend et on joue. Il me faut une moto, ouais. Mais trop de flics en ligne! Ah non! Ils ont vu 39 prises de service! Est-ce que les gars, je fais une prise de service pour annoncer que je suis encore en vie? Putain, pourquoi je suis dans des salades? Comme ça, on lance la cavale! Ouais, les gars! Comme ça, non! Je vais le faire! Et comme ça, on lance l'arc! De la cavale! Oui! Que n'en déplaise aux viveurs qui disent non! S'il a une arme, je suis mort. Ok, let's go. Ok, bon. La cavale est lancée! Ça va être un arc de psychopathe là, ce qui va se passer. Et après, un nouveau personnage! Oh là 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 là! Oh là là! on va faire ça en mode propre, vous allez voir. On va se mettre dans un endroit stylé. Au bord de la plage. Avec des flûtes et du cocktail. Et de la cuque. Hein? Hey gamin. On va se mettre là. Je vais vous montrer c'est quoi le RP de Tobias Well. Enfin Tobias tout court. Parce que là-bas je m'appelais Tobias Well à l'époque et tout. Il m'a viré. Non. Non. Putain. Putain. Je vais faire un truc de psychopathe, vous allez voir. Allô? Allô? Allô, oui, c'est qui? C'est Yongfu. Comment ça, Yongfu? Je vous appelle avec un téléphone qui est pas traquable, d'accord? Ok. Un téléphone, avec une nouvelle puce. Intraçable, vous voulez dire? Intraçable, okay. Oui. Ok. Capitaine! Cabine téléphonique. Actuellement, il y a une bombe. Où est l'SPD? Oh non. Où ça? Non, 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 capitaine. Elle est actuellement sur le toit. N'allez pas sur le toit, capitaine. D'accord? Non, je n'irai pas sur le toit. Oui. Je suis avec un fusil de chasse. Sur un toit, quelque part. Non, c'est pas d'ASD, ça sert à rien, je vous verrai. Okay. Je vous demande simplement une chose, d'accord? Qui peut s'activer en une seconde. Dites-moi. Remettez-moi mon service. Je fais un call radio. Et après, c'est bon. Et après, je vous enlève. Après, vous enlevez. C'est tout. Mais le problème, c'est qu'il faut que je vous mette dans le groupe, Yongfu. Mettez-moi. Mais il faut que vous soyez à côté de moi. Ah bon? Attends, bouge pas, je sais. Ah oui, je suis obligé de t'avoir d'être proche de toi. Capitaine, faites mon end of watch. Ton end of watch? Ben non, je ne ferai pas ton end of watch, t'es pas mort. Hein. Faites mon end of watch pour dire que je suis viré. Non, ça marche pas comme ça, Yongfu. Capitaine, tu recherches actuellement ou pas? Bah oui. T'es où? Ok. T'es où, Yongfu? Je suis un peu partout, capitaine. Au pire, si tu veux, vu que tu veux pas être dans le groupe, assure une fréquence et je dis aux agents de venir, comme ça ils t'écoutent, d'accord? Ok. Certes, t'es recherché pour les faits, je le conçois, mais je sais qu'il y a encore du bon en toi, Yongfu. Non, 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 capitaine, le Yongfu que vous avez au téléphone, c'est un nouveau Yongfu. C'est un nouveau Yongfu? Capitaine! C'est V2, c'est ça? Capitaine! Oui. Vous êtes dans la merde, vous et vos collègues. Ah, parce que ça se retourne contre moi maintenant? Ouais! Sûr que de vous m'avez pas donné ce que je voulais hier, capitaine. Non, parce que tu dois faire face à tes collègues. Tu dois faire face à ta famille. Tu vois? Donnez-moi la fréquence tout de suite, capitaine. Mais tu veux que je leur dise de venir de quelle fréquence? La 39. Ok, bouge pas, je leur dis de venir, ok? D'accord. La V2! La V2, il a dit en plus! Là, c'est bon, les gars! Hier, ils m'ont pas donné ce que je voulais! Personne m'a respecté! C'est la guerre! Bon, ça se trouve, je vais durer deux jours, mais. Même un jour! Putain. Jean! Pourquoi la radio, j'entends bizarre? Ils me prennent pas au sérieux? Ben voilà qu'on va les choquer, les gars. Yongfu? Lincoln 39. Negative response. 10-10 pour toujours pour l'officier 39. Merci à vous pour le service que vous avez rendu à l'Amérique.
Maintenant, bande de petits fils de chiens, c'est la guerre. D'accord ? Faites attention à vos arrières. Quand vous marchez seul dans la rue avec vos enfants et vos femmes, regardez toujours derrière vous. Vous me prenez pas au sérieux, hein ? Vous me prenez pour un guignol ? Je vais vous montrer ce qu'il en faut. Rigolez, rigolez encore derrière votre radio de fils de chien. Vous allez voir maintenant c'est quoi Young Fu. Je vous emmerde tous. Passez Radio 1 et écoutez pas ce tissu de mensonge, d'accord ? Écoutez-moi pas. Capitaine, la bombe est désactivée, capitaine. Voilà. Voilà les gars, et maintenant faut que je porte mes couilles de ce que j'ai dit. Ok. On va se relooker. On va se relooker, on va s'acheter un nouveau téléphone. Je vais mettre puce détruite. Ça s'écrit comme ça une puce? Puce détruite, ça s'écrit comme ça les gars? Ouais. Bon allez salade. Ok. Alors comment on va procéder? Est-ce qu'il y a un bingo dans le nord? Attends, il n'y en a même pas dans le nord des bingos? Si, il y en a un là. Magasin de vêtements. Est-ce qu'il y a des coiffeurs dans le nord? Il y en a un là. Il est juste à côté du poste de police. Mais la tête d'homme, les gars, on va changer d'abord. On va aller. Ah, il y en a un juste en face de moi. Il est mieux celui-là, il est plus à l'écart celui-là. Ouais, il est plus à l'écart. Ah, ils ont retiré mon arme! Ah non. Je la jette dans l'eau. Je la jette dans l'eau. Elle va despawn dans l'eau, non? Au pire des cas, si le staff, ils verront, je pense. Hein. Garde-la. Non, les gars, je la garde pas. Faites-moi confiance, les frérots. Je vous jure, on faut qu'on fasse ça propre, les frères. Non, je vous écoute pas. On va se refaire. De toute façon, les gars, j'ai 88 000. Regardez. Attends, est-ce que j'ai encore mon argent ou ils m'ont bloqué mon compte? 86 000. 86 000, je suis large. J'ai un Beretta large. En plus, je vais revendre ma voiture, je pense. Je pense qu'on va revendre la voiture. Ouais, je vais revendre ma voiture. Pour l'identité. Un hélicoptère non identifié entre dans l'espace de San Andreas. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Les gars, j'appelle Cletus pour lui prévenir que je suis... Attendez. Ouais, vas-y. En vrai, je vais faire le mec menaçant. 5, 4, 3, 2, 1. Connard. La puce détruite. Ah merde, c'est vrai. Bon, vas-y, mais allez, j'en vrai. Tranquille. Allô? Allô, Cletus, comment ça va? Ça va bien et toi? Comment ça? T'es super. T'es en vie? Je croyais que t'étais mort. Cletus. Mais tu me connais pas, Cletus. Vous savez que vous avez réveillé un monstre, là, hein? Vous prenez pour un guignol, c'est ça? Tu as réveillé quelque chose qui ne ferait pas tout, d'accord? Cletus, tu me prends pour un guignol, c'est ça, hein? Tu es un guignol. D'accord. J'ai dû me tuer hier, sache-le. J'aurais dû te tuer? C'est pas grave, aujourd'hui on a tout le temps pour le faire. Alors Cletus, actuellement je suis en cavale, d'accord? Tout le monde me poursuit. Oui. Mais je vais pas me laisser faire, d'accord? Donc là, ce que je vais faire, en gros, ce soir je vais te tuer. C'est un bon plan, effectivement. Je vais te tuer. Oui. Ensuite, je pense que maintenant j'ai plus rien à perdre, je vais braquer quelques banques. Et puis je partirai sur une île, voilà. Très bien, très bien. Eh ben écoute... Je nique la guardia et après je m'occupe de ton cas, ça te va? Ok, super, ça marche. A très vite, fou. À moins que je m'occupe de toi avant, connard. Oui, vas-y, cherche-moi. Les gars, là, la tête d'homme partout, j'ai peur, là. Oh là, j'ai peur. Aïe, 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 les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh non. Faut pas qu'elle disparaisse, la cagoule. Ok, bon. Donc maintenant, tout le monde sait que je suis en cavale. Ça, c'est bon. La tenue, les frérots. La tenue. Déjà, faut que je retire ça. Merde, comment on retire ça, là? Le J-Parball.
Annuler. Arrête, arrête, hein. Annuler. Voilà. Là. Nouvelle tenue. Full black. Non, non, non. Faut justement une tenue qui passe. Qui passe comme un citoyen. En vrai, genre une tenue streetwear, on va dire, non? Bon, je vois bien un délire camas, genre vraiment simple. Pas prise de tête, tu vois ce que je veux dire? Un truc, tu vois le mec, tu te dis, ouais, ok. Faut que je fasse une teinture. Faut que je me teinte les trucs. Y'a un mec qui l'a mis full camouflage. Mais non, mais les gars, parce que l'objectif c'est de retourner dans la civilisation. Tu vois? Moi je veux bien un délire comme. Non, avec une capuche. Ouais, avec une capuche, bah oui, oui, clairement, clairement, clairement. Avec une capuche. Ouais, 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 ouais! Ouais, ouais, capuche! Capuche, 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 capuche. Mais j'ai pas de. Y'a pas de capuche? Ah oui, il faudra que je change mes cheveux parce que du coup, c'est de la merde là, mes cheveux. Enfin, ça va passer à travers là. En vrai, c'est pas grave, ça passe à travers parce qu'après, on va dire que je suis le coiffeur. En vrai, Bigness, c'est bien, Bigness. Ça fait un peu tenue. Ça fait un peu. Ouais. Ouais. Guffy. Il est bien celui-là. Attends. Ça fait ouais, ça fait un délire. Un Nike Tech. Non, je pense pas. Celui-là, il est bien en rose. Il est bien celui-là. Mais le problème, c'est que c'est un peu une tenue tactique. Genre, ça veut dire pour le bas, c'est relou. Merci Louis pour le 4e mois, ça fait plaisir. TMTH, je sais pas si t'as déjà remercié, mais remercie, ça fait plaisir. C'est gratuit de remercier. Et puis voilà. Puis avec. Hey game. Hey game, des cartes. Attends, mais. Ah, c'est relou, j'ai le truc des flics là. Et le pantalon. En vrai, pas un pantalon tactique, hein. On se met un pantalon tranquille, genre de ville. Non, et puis la merde, le haut. Non, le haut, il est. Ah, les gars! Non, non, c'est bon, ma conscience vient de se réveiller, c'est bon, il est tout pourri, le haut, hein. En fait, il va avec aucun bas. Non, les gars, j'ai pas envie de mettre de Nike Tech, pourquoi? Parce que c'est une tenue modée. Et j'aime pas. Les tenues modées, c'est pas. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien les tenues de base de GTA. Les tenues modées, je trouve ça un peu bizarre. Ouais, vraiment, vraiment, ça fait. Je sais pas. Les textures, ça se ressent que c'est pas les mêmes. Au pire, non! Pas de capuche! Non, non, les gars! Pas de capuche! Un accessoire sur la tête, au pire. Ouais, 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 ouais. Ouais, bah oui. Une casquette? Ouais, une casquette, c'est bien. Non, une casquette, c'est nickel, une casquette, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est nickel. Oh, elle est bien, celle-là aussi. Ah, mais j'aime pas la grosse capuche. Bah voilà, simple. Voilà que ça tue. Canada Goose. Ça coûte combien? 4000. Ah ouais, non, c'est cher. On en cavale, les gars, là. On a besoin de sous. Montclair. Allemand. Mentalité. Oh là là. On prend la Montclair? Moi, je voulais m'acheter de Montclair IRL, mais... Mais mon excuse, c'est que maintenant, il fait chaud. Ça sert à rien. Oh, Arc'teryx, c'est une bonne marque, ça, en vrai. Attends. Non, Chetan! Oh non, pas ça, t'es fou, quoi. Quoi, Kobe? Ça, c'est bien, ça. Franchement propre. Franchement propre. Ouais, ça va. Ouais, c'est bien, ça, avec un petit jean. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, j'aime bien. C'est simple. C'est pas trop... Ah! Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... C'est une tenue modée, mais qui est pas... Oh, avec un bas militaire. Non. En vrai, ça, moi, je trouve que ça passe. Je trouve pas ça dérangeant. Avec un bas militaire. Ouah, pas d'éléphant, mon frère. On dirait un mec en bac littéraire. Il fume des roulés. Il s'assoit en tailleur dans le RER. Il se met accroupi en train de fumer ses roulés dans le RER. Voilà. Avec ce bas, ah mais ce bas il coûte 1200 si y a Pirelli Popette. Le raclo il s'habille en Montclair. C'est bien ça, hein. Les gars, c'est bien parce que c'est pas du tout le style de Young Fu, ça.
Ça, c'est bien ça en vrai, non? Ils vont jamais se dire, ouais, Young Tfu, il a un bas comme as dégueulasse. Ouais, les gars, en vrai, je pense que c'est bien ça, ouais, ouais. Parce que, ouais, ils vont jamais se dire ça. Faut se mettre à la place des flics. Avec des vans dégueulasses comme as. Voilà, simple, simple, 50 balles, c'est carré, c'est carré. Après, faut que j'enlève les accessoires. C'est carré, c'est carré. Ouais, c'est dégueulasse, mais c'est nickel. T'as pas vu l'annonce du capitaine? Je suis most wanted? Non! Aïe! Non! Ça veut dire là, je suis... Là, je suis autant recherché que ravi raconté. Alors que j'ai jamais jeté de cocktail molotov sur les flics. Ah, les bâtards. Une casquette? Ouais, mais après, t'inquiète. Je vais l'appeler Caval. Mais les tenues, elles sont buggées, les gars. J'ai le seum. En espèce, vas-y, mon gars. Putain, j'ai eu peur. J'ai entendu un bruit. Alors, c'est quoi cette tenue-là? Celle-là, on la garde en vrai, non? Celle-là, on la garde. C'est quoi ce haut? Oh non, il a découpé la tenue. Ok, Caval, c'est bon. Cuir. Ok. Celle-là, on l'a... Non, celle-là, on l'a... Oh, mais t'es mal, ça casse la tenue! Elle se casse, les gars! C'est quoi ce bug? C'est quoi ce bug? Je crois que je vais tout jeter, la tête d'homme, j'ai tout. Voilà que j'ai tout, c'est bon. Ça sert à rien. Tout est bugué, frère. Mais est-ce que si je mets ma tenue là, ça va la casser? Ah non. C'est grave chelou, mon frère. Il faut les enlever avant. Attendez, mais comment on retire un truc genre? Genre ça. On oublie de le jeter pour le retirer? Ah, mais c'est quoi ce bordel? En bas. Utiliser. Fais utiliser. Genre ça, je fais utiliser, ça l'enlève. Mais regardez, ça l'enlève pas. Ça l'enlève pas, les gars. C'est bugué, frère. Clique dessus. Glisse-le. Ça l'enlève pas, la famille. Non, vraiment, le nouveau inventaire, il est hyper bugué. Enlève manuellement. Bah ouais, faut que je fasse comme as. Je suis obligé de le faire tomber, le délire. Hein, je trouve ça vraiment... je trouve ça vraiment relou. Ça, c'est la plaque de police. Et ça, c'est quoi, ça? Ok. Oh, il a un flot, en vrai, hein. Il a un flot, le bâtard, hein. Voilà, il a un délire. Ok. Ils sont où les chapeaux et tout? Ils sont où les chapeaux, tout ça là? C'est là? Accessoires. Un masque, on a la cagoule noire, ça suffit. Non, venons prendre un nouveau masque en vrai. Ok. Chapeau. Qu'est-ce qu'on prend comme chapeau? Il est trop nul ton flow, j'ai juré. Ah ouais? Attends, qu'est-ce qu'on prend comme chapeau? Une casquette en vrai, je pense, hein. Ou un béret? Un béret, c'est stylé. Non, il faut un délire de... Casquette? Casquette avec des lunettes. Ouais, moi je vois bien un délire comme as. Attendez, en vrai, go tout voir pour voir. Il y a des casquettes qui sont bien comme as là, mais le problème c'est que c'est des trucs modés. En fait, c'est ça qui est relou avec le truc modé, c'est que ça se compile pas avec GTA de base. C'est grave relou. Pourtant, elles sont grave bien les trucs modés. Hein. Enfin, des trucs modés qui pètent de ouf. Oh, un bandana. Oh, libère tous mes copains. Oh, comment ça tue ça? Oh, ça tue. Si je fais un perso gangster, la tête d'homme, je prends ça.
Sinon, un bonnet, ça passe bien. Ça fait pas mec cramé, t'as vu? Un bonnet, ça passe bien de ouf. Ça passe vraiment bien. Genre celui-là, je pense que je le prends pour de ça. Voilà, c'était pris. Avec des lunettes. Lunettes noires. On voit pas les yeux pour... Ouais, genre un délire comme ça, mais pas rond, tu vois. Parce que là, on dirait vraiment une mouche. Genre des lunettes teintées, vraiment bien teintées. Alors attends. Ah mais y a pas wesh. Djibala, numéro 2 sur le rinté. Djibala, ce qu'on la ref taper 1. Putain mais y a pas. Je crois que ça va partir sur ça les gars, lunettes quartier. Lunettes quartier, vert dégradé. Ah ouais. Ok, celui qui me dit le son que je suis en train de chantonner, tu gagnes rien du tout mon ref. Lunettes quartier, ok, lunettes quartier, vert dégradé. Je dis juste ça. Même moi j'ai pas le nom du son mais... Je sais qui c'est mais j'ai pas le nom du son. Ah mais je crois que c'est quartier de base. C'est quartier de Freeze Corleone. Vas-y on prend celle-là. Celle-là. Elle coûte 5$ en plus, c'est carré. Ah, c'est pas carré. Ok. Les montres, on s'en beurre après. Hein. Gilet pare-balles, on pourra en racheter les refs, c'est pas grave. Parce que vraiment, il bug le truc, donc ça se trouve, il va disparaître de mon inventaire. Et un masque. On prend un masque, chat, en vrai. Casquette. C'est quoi ça? Ça, c'est mon bonnet, je le... Mais il a disparu! Les gars, voilà que je l'ai perdu de mon inventaire! Les gars, je l'ai perdu de mon inventaire! Mais c'est trop! Voilà que c'est trop, frère! Ah non, il est là! Ah! Astaghfirullah! J'ai juré Wallah qui... Oh là là là! Oh là 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 là! Oh mon dieu! Ah, il est génial en fait l'inventaire! Ouais, ouais, ouais! Équipe, équipe! Équipe à fond! Ouais, ouais! Ouais, ouais, ouais! Équipe! Mais ça, du coup, il disparaît ça ou pas? Ah. Et du coup, si je remets ça là. Attends, ça s'appelle. Mais par contre, non, par contre, j'ai vraiment un bug! Les tenues, elles s'appellent tous cuir. Cavale. Ah, ça, c'est la cavale. T'as vu, elles sont tous buggées, les tenues, par contre. Attends. Elles sont vraiment laguées de mort. T'as vu, celle-là, je l'ai jetée depuis 8 ans. Allô? Allô? Allô, Tfou? Oui. C'est quoi ce bordel là? J'ai vu une annonce comme quoi les flics aussi te cherchaient là. Qu'est-ce que tu prends là, enfoiré de flic? T'es con quoi? Je suis plus flic, Baker. Comment ça t'es plus flicos? Mais qu'est-ce que t'as branlé? Je suis dans la merde. Et dans la crotte? Mais c'est-à-dire là, qu'est-ce que t'as branlé? T'étais un mec modèle, tu voulais toujours me foutre au trou derrière les barreaux et là tu te retrouves recherché par la flicaille, mais c'est pas normal ça. J'ai tué quelqu'un. T'es un menteur, je peux pas te croire. T'es un policier, les policiers font pas ça. Et bah tant mieux. Les femmes, elles font pas des proutes. Tant mieux, parce que tu sais c'est quoi? C'est un poisson d'avril. Eh oui. T'as 3 jours de retard, toi. Je mais oui, mais non, mais... Du ping, là. Mais tu connais, c'est mon capitaine, c'est un bon... Il fait un poisson d'avril. Ah oui, tu crois vraiment... Moi, le guignol Young Fu, je suis recherché, mais t'es malade ou quoi? Donc là, j'appelle 07, je lui dis que j'ai Young Fu pas loin de moi, il va me dire quoi? Mais bah rien dire. Je veux dire, non, je te rappelle tout. Vas-y. Putain, il casse les couilles. Putain, non. Putain. Mais elle est où ma tenue? Oh, il y a ma grand-mère à côté. Mais les gars! Il t'a vu? Mais non, il m'a pas vu. Elle est en bas? Mais elle est devenue. C'est devenu un haut. C'est pas ça ma tenue, c'est pas un haut ma tenue. Elle est où ma tenue? Mais c'est ta faute, tu enlèves le...
que le haut. Mais comment ça, c'est ma faute? Je vais casser tout, frère. Allez, allez, ça va être simple. Je vois là que j'ai tout. C'est bon, je jette tout. Allez, je vais tout jeter. Allez, ça part en couille. Hop. On va faire une cavale tout nue. Une cavale nudiste. Hop, la tête de Wam. Normalement, j'aurai 8000 viewers grâce à ça. Inch'Allah. Parce que les gens, ils aiment trop les gens tout nus. Hop, on va la reprendre ici. Cavale, récupérer. 5$. 200$. Hop. Elle est où ma tenue? Elle est là. Là, je la mets. Je touche plus à rien. Pourquoi y'a ça? Bonjour, vous êtes le répondeur des Young Fu. Veuillez laisser message après la bite. Bip. Oui, bonsoir, secrétaire de Baker à l'appareil. Alors, effectivement, nous avons bien 07, le capitaine de la SPT de Los Santos, flashback, au téléphone. Flashback, il a dit. Il nous a annoncé, hey, comme quoi vous étiez bel et bien recherché, hey, monsieur Tfouerlik. Il s'avère que vous avez donc maintenant, à partir de maintenant, un individu qui s'appelle Baker le Loser qui peut potentiellement vous aider, car c'est un as de la conduite. À très bientôt. Allô, oui. Ouais, fou. J'étais sous la douche, j'écoutais. Alors, l'administration de Flashback, tu as dit? C'est quoi ça? En fait, c'est l'administration qui revient sur toutes les affaires dans le passé. Ah, d'accord, ok. D'accord. Voilà. Oui. Du coup, en gros, c'est ils reprennent toutes les affaires qui ont été classées sans suite, alors que ce sont des gros délits, et ils font un flashback, une rétrospective sur l'histoire, sur la criminalité qui a été, bien entendu, octangulairement inscrite sur vos dossiers. D'accord. Ok, mais ah là, oui. Et tu pourrais m'aider, comment ça? A affirmé par A plus B que vous aviez pris en otage des agents de la police. Vous avez pété un câble ou quoi, de Fouerlik? Mais n'importe. Mais moi j'ai fait ça? Bien sûr que oui, il a raison. Je l'avais au téléphone, je lui ai dit, il y a Young Fu devant moi, il m'a dit, donnez-moi votre position tout de suite, Baker. J'ai dit, ah ouais? Non, je peux en indiquer. Ouais, je voulais tester, voir si c'était okay, une blague ou okay. quoi. Non, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Fou. T'es devenu un criminel, fou. Là, un peu, ouais. Du coup, là, un peu. Un peu beaucoup, même. Écoute, fou, moi, je suis prêt à tendre la perche, à tendre la main si t'es dans une grosse galère, mais c'est pas d'après, après, tu retournes ta veste une troisième fois et tu me la mets à l'envers, enculé. Il y a plus de veste à tourner maintenant, elle est tournée déjà, ma veste. Non, mais c'est quand c'est réversible, tu peux la retourner encore. Elle est plus réversible là parce que chez les flics, c'est que ça marche qu'une fois. Non mais de fou, on peut se voir là dans un endroit caché. Tu m'expliques ce que t'as fait et que moi je t'explique si je peux t'aider ou pas. Oh mon dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'arrivais plus à respirer, il y avait des flics qui sont passés à côté de moi. Ah ouais, t'es stressé à ce point là, enfoiré. Ouais, faut qu'on discute. Ok, là juste je change de Young Fu. Ouais. Je me change moi, pardon, je suis en stress. Je me change moi. Mais là, t'es quoi? T'es en mode incognito ou t'es en mode justement, Young Fu là? Oh putain, attends, je me mets juste dans ma voiture. Faut que je devienne incognito là et après je. Et après vas-y, on se donne. Après, je te rappelle. Ça marche, vas-y, à toute. Vite, un masque. Oh sa mère là, ça perlit. Une moustache, y'a pas une moustache, les gars, une moustache dans les masques? Je crois qu'il y a une moustache dans les masques. On va se prendre une moustache. Salam alaikum, je suis voilà déjà. Aujourd'hui, on va faire la recette des Miss Men. Oh, pardon, c'est. Alors, attends. Yo, c'est masqué. Comment il fait? C'est quoi sa voix? Bienvenue sur la recette. Aujourd'hui, les gars, la recette. Comment faire du Fast Corleone? Ouah, 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 équipe. Bon, je pense que je vais rester streamer et. Non, frère. Putain! Attends. Ok. Il est bien ce masque, il est bien. Voilà que j'aime trop ce masque là. J'aime trop ce masque. Ça fait Zama Mela Santana. J'aime trop. Ok, j'aime trop ce masque là. J'aime trop! Les gars, j'aime bien. Ah, j'ai vu la barbe en dessous? Ah ouais? Vous l'avez vu où la barbe? C'est trop cramé. Ouais, de loin, c'est vrai. Mais attends, ça, c'est bien en vrai, ça. Simple. Elle où la barbe? Oh, c'est Ziak, ça. En bas? Alors, attends. Elle est où? Putain, faut qu'on fasse vite, les gars. Il y a des flics qui viennent de passer.
En bas à gauche. Mais où? Vous la voyez? Là, on la voit, là, ici, là? Ah, là. Salam alaikum. Ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel. C'est vraiment nickel, ça. Ça, c'est vraiment nickel. Mais je sais pas si j'ai le droit de changer ma voix. Je crois pas, en vrai. C'est grave HRP. Enfin, c'est grave WinRP, je voulais dire. Et le masque qu'on va prendre pour les poursuites, il faut un masque qui fait peur, en vrai. Parce qu'ils me prennent pour un guignol. Franchement, c'est simple. C'est simple, mais c'est nickel, ça. Ah, je vais acheter ça. Ok. Ok. C'est parfait. C'est parfait, les gars. Bon, maintenant, on va chez le coiffeur. Retire beaucoup d'argent, je peux pas. Je peux pas, ça c'est vraiment le problème d'une cavale. C'est que je ne peux pas. Change ta démarche. Mais vas-y, frère, il va pas dire ouais, oh, c'est la démarche du Glifou, je le reconnais. Frérot, on n'est pas sur un free access, ma gueule. Wesh, il est con, quoi. En fait, le problème, c'est que vous allez dire oui, Tobias ne les écoute pas. Mais tant que je leur réponds pas à ces hamar, bah ils vont continuer dans le chat à spammer. Mais Tobias, tu dis n'importe quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Attends, on va juste mettre le mazout. Il y a une mentalité de mec de 6 ans, mon frère. Heureusement que c'est pas tout le monde, hein. Oh là là. Bonsoir, oui. Bonsoir. Mm-hmm. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça dit bonsoir. Ah, d'accord, oui, d'accord, pas de problème. Ah ouais, oh putain. Yes. En fait, c'est Young Fou vieux. Pardon? Monsieur, c'est bon? Ah. Oui, oui. Faites attention à votre vitesse, s'il vous plaît, monsieur. Oui, excusez-moi, c'est à cause de l'âge que le poussé, oui. Ouais, mais faites attention, n'essayez pas d'accélérer trop fort parce que. D'accord, vraiment désolé, oui. Y'a pas de problème, allez-y, bonne soirée. Merci. Putain, mais là, je suis parti en couille, là. Attendez, les gars, c'est le début! Attendez, là j'ai dit n'importe quoi, wesh. J'ai pris une voix d'un soixantenaire, un hej, mélange. C'est un marocain, chinois, congolais. Oh non, faut pas que je fasse ça. On sait bien, au moins ils sont fair play. Alors du coup, oui, ça sent du sûr qu'il faut que j'aille. Excusez-moi! Pardon, c'est moi, j'ai pas regardé. Non, c'est question! Vous savez pas, je peux trouver le coiffeur? Le coiffeur? Oui. Je sais pas, mais je peux avoir un numéro, je pense. Vous en avez un? Je veux bien un numéro maintenant. Ouais, hey, Maga. Pas le numéro d'un coiffeur, il cherche un coiffeur, le monsieur là. Roule doucement, arrêtez. Non, j'ai pas. Vous vous appelez Magla? Non, Maga. Non, c'est Maga. Mais si, attends, si. Un coiffeur, il avait déjà. Ouais, oui, dans le nord, oui. Vous êtes qui, vous? Pourquoi? Tu m'as appelé Magla, tu me t'es guide, toi? Moi, je suis un viewer, en fait, de Magla, j'aime beaucoup. C'est vrai? C'est elle fait... Tu sais que je savais même pas c'était qui avant qu'on me dise, ouais, t'es Magla. Elle fait des lives sur Twitch, c'est une plateforme de jeunes. Ouais. Mon fils, il regarde aussi, oui. Belle barbe, monsieur. Merci, oui, je suis un tali... Oh, non, cet enfant... Putain, mais je change ma voix. Les gars, faut que je me trouve un nom. Il a raison. Le nom, comment on va m'appeler? En fait, faut trouver un nom qui est rapide à répondre. Comment tu t'appelles? Je m'appelle. Venez, un nom de. Bon, c'est pas raciste, mais un nom de Renoir, genre. Un nom de Renoir. Issa. C'est pas Renoir, Issa. Issa, je connais un Issa. C'était un Marocain. Marocain tunisien. En primaire. C'est... Bah non, vas-y, on va dire Issa. Issa. Bon, force à mes Sissoko, je sais qu'il y en a plein dans le chat. Issa Sissoko. C'est bien Issa Sissoko. Issa Sissoko. Mais putain, mais voilà que les PNJ, mais... Les PNJ, je pense que ça va être le pire problème dans la cavale.
Regardez le culot. Excusez-moi, oui. Oui, vous savez où je peux acheter un hélicoptère? Hein? Alors là, j'en ai absolument aucune idée, monsieur. Pourquoi vous avez une arme? Toujours, monsieur, la sécurité. C'est important, oui, vous avez raison. Oui, effectivement. D'accord. Pourquoi dans quoi, monsieur? Je fais quoi? Je cherche un coiffeur. Un coiffeur et un hélicoptère? Oui. On peut combiner les deux, hein. Un coiffeur qui travaille dans un hélicoptère. Ah, je me coupe les cheveux avec les hélices. C'est un métier, monsieur. Fais moi une blague, ouais. Nickel. Nickel, vous remercie, monsieur. Ouais. Bah, nous on repart travailler. On vous souhaite une agréable soirée. Merci, vous aussi. Un bon courage, hein. Allez. Au revoir. Oh mon dieu. Oh putain. Le rire, il me fait rire. Merci beaucoup, Byron, pour le 12e mois. Babzo, je te dis merci, je crois, mon ref. Mais remercie, ça fait plaisir, deux fois merci. Et merci, Yazropi, pour le subwoofer et rigolo pour le 5e mois. Merci, la famille. Ok, bah au moins maintenant, on sait qu'ils sont en fair play. C'est là le coiffeur, les gars. Il était là le coiffeur sur l'écran. Ah oui, là. On sait qu'ils sont en fair play. Genre, ils savent que c'est moi à GRP, mais ils sont pas là à me. Au pire, nique sa mère, on va dans le sud. On va dans le sud. Ici, il y a toujours des gens. On va là-bas. De toute façon, c'est la cité. Là-bas, c'est la cité. Au pire des cas, s'il y a des flics, bah ils vont les caillasser. À Paletto. Attendez, t'es pas ce que je vais faire. T'es pas ce que je vais faire. T'es pas la singerie que je vais faire. J'appelle les flics. Allô, oui, oui, bando. Allô? Allô, Bando? Y'a quelqu'un? Monsieur, je vous écoute. Oui, voilà, je vous entends. Vous savez où je peux trouver un coiffeur? Dans le Nord? Non, je sais pas, monsieur. D'accord. Attendez, je me renseigne. Hein. Merci beaucoup, oui. Y'a ton numéro? J'ai mon collègue à côté de moi qui me dit qu'il est coiffeur, le coiffeur de Sandy Shore, ça vous irait, monsieur? Je suis à Sandy Shore, là, y'a personne. Ah ben on va arriver, hein, monsieur, c'est parce qu'on est... Super, merci beaucoup. Bonsoir. Merci, à de suite. Merci, madame, au revoir. Oui, attendez, excusez-moi. Rassurez-moi, c'est pas un téléphone que... Oui. Ah, si, je crois que c'est un téléphone que j'ai vu, non? Quoi? Non, c'était au téléphone, parleur. Téléphone. Oui, c'était un haut-parleur en quitte main libre. Quitte main libre, ok, oui, bon. Oui. Prends attention, monsieur, hein, c'est merci dangereux. Beaucoup, vous aussi. Les gars, je pense qu'on va retourner vite dans le sud. Je vais me faire... Oh, mais non! Attendez, je vais me faire coiffer les cheveux par la BCSO. Non, mais non, ils vont savoir que c'est moi cette fois-ci. Ah. Bah non, c'est pas possible. Attendez. Par contre, la voix, c'est n'importe quoi. Les gars, la voix, je vais garder la même de base. Et puis, c'est à eux de jouer fair play, c'est tout. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. La voix, je peux pas changer, les gars. C'est bon, la voix, laisse tomber, frère. Je peux pas. C'est pas possible. Alex, mais on va dans le sud. Là, on va dans le sud. On va arrêter de prendre des risques bêtement parce que là, s'il me fait choper, c'est juste. Je me fais attraper quoi. Enfin, c'est juste, je vais en cellule. Alors, numéro de Baker, c'est quoi? C'est le seul numéro qu'on a besoin pour l'instant. Numéro de Baker, c'est le. 4170. Ok. On va jeter le téléphone dans la mer et on va prendre un nouveau téléphone. Pourquoi j'ai trop de flics? Non les gars, mais il y a trop de flics. C'est une dinguerie, la cavale commence, c'est stressant. C'était la centrale. Prochaine fois je réponds. Ouais non, pire, bah non, bah oui, je suis en ouf. Voilà, je garde le téléphone, je le mets en mode avion. Bah ouais, je suis con quoi. Bah oui, simplement. Pourquoi jeter le téléphone? Bah oui.
Ah oui, je peux... bah oui, je le garde. Par contre, les papiers d'identité, ça, je le jette. Non. Merci Lucas pour les 100 bits. Seulement. C'est pas grave, hein, mais c'est pas une compétition, tranquille. Pourquoi vous dites oui? Merde, c'était quoi ma question? Alex, merci pour le troisième mois. Merde, je suis trop con. Les gars, au cas où vous l'aurez pas vu, parce qu'à la base, les gens ils soutiennent quand il y a le train de hype. Bah, en gros, il y a le train de hype, les gars, donc n'hésitez pas à soutenir, s'il vous plaît, la famille. Au cas où ceux qui n'ont pas vu. Parce que parfois, je vais sur d'autres lives et des gens ils soutiennent un peu. Ah, je rigole, la famille. Oh, il y a un plan qui se prépare là? Je vois là, il y a un plan. Mais j'ai rigolé, hein, je vous troll les gars, on sait jamais ceux qui sont au premier degré. WTDDVRK, merci mon ref pour le. C'est beau faire. Je voulais jeter mes papiers là, mais compliqué. Et merci au petit mix. Merci les gars, wesh, merci le gars, mais merci Lucas. On va faire ça bien RP les gars. Théma. Je vais les mettre dans la poubelle. Carte grise. Cartel Speedy. Je vais les jeter ici. Au pire des cas, même s'ils les retrouvent, on en a rien à foutre. Ah, je me plais Guy. Les gars, la carte d'identité, je l'ai pas jetée. Si, je l'ai jetée, je crois. J'en ai même pas, carte d'identité. M'appelle Guy. Guy Sissoko. Je m'appelais Guy Sissoko, ouais. C'est bien Guy. Putain, y'a un hélicoptère et tout. Là les gars, c'est l'arc de flashback, c'est incroyable. Et masterclass. Merci au petit mix pour ce beau faire. Franchement, j'ai lancé un truc dans tout le serveur sans faire exprès. Et maintenant qu'on est en POV illégal, eh bah on va voir comment ça se passe l'illégal sur flashback, tout simplement les frérots en vrai. Bonsoir. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Vous savez si je peux trouver un coiffeur ici en face? Ouais, non, bah il y a un coiffeur à droite. On vend que de la cam, nous ici. On vend que de la cam, de la drogue, nous ici. Ah d'accord. Pourquoi t'es en cavale? Ah ouais les gars, faut suivre la famille. C'est relou d'expliquer à chaque fois ça. Y'a personne là? Non là ils sont pas Young Fu là en vrai hein. Monsieur Lay, Abdoulaye. Putain mais y'a personne. Attends, c'est des PNJ ça là-haut ou pas? Mais c'est un vrai joueur lui. Allô. Allô. Bonjour. Oui. Ça va? C'est qui? C'est un coiffeur. Vous cherchez pas un coiffeur sur Sandy Shore? Ah non. Ah oui. Non du tout. Parce que du coup, un ami m'a appelé et étant donné que moi les temps sont durs, ben forcément. Voilà. Du coup, je cherche pas de coiffeur du coup finalement. Ah, je suis désolé, ouais, pas de coiffeur, ouais. Ok, bon, mais je fais espoir, désolé. Super, génial, merci beaucoup. Quand c'est les flics, je parle avec une voix bizarre. Merci au bar pour les 5 subs, merci mon frère. Ah ouais, en fait, vous avez cassé le train de live. Mais vas-y, frère, pas de coiffeur nulle part, ça me rend fou. Je suis impatient, là. Et en fait, dommage qu'il n'y a pas de numéro de coiffeur, là, de Zappy dans le service. Il n'y a pas de numéro de coiffeur, ah, bah si, en fait. Ah oui. Il faisait juste de fermer sa gueule et d'ouvrir les yeux en fait. Ah oui. Putain.
Ah, je vais péter un câble. Coiffeur Gompton. Mais Gompton, c'est là où je suis? Il roule en contresens. Voilà, même au bled. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, madame, vous allez bien? Et vous? Oui, oui, je cherche un coiffeur au niveau de Compton. Enfin, j'y suis là actuellement, vous pouvez venir ou pas? Ah, là, je suis pas dispo, je suis à la mairie, je peux venir un petit peu plus tard, mais là, dans l'immédiat, je pourrais pas. 500 dollars. 500 dollars? 600. 1000 dollars, j'arrive maintenant. 1000 dollars, venez. Ok, j'arrive. J'arrive. Sale pute, va. Hein. mais grave, grave dans son personnage. Tête de homme, j'ai. Oh là, je suis trop con moi aussi. J'ai pas d'argent. Eh hey, les gars, je suis en cavale. La tête de homme, on va pas payer. La tête de homme, les gars, ça paye pas. Mais t'es fou quoi. Je voulais dire, je vais retirer. Et bam, je me casse en courant. Je me casse en courant. Je fais le tour du bâtiment, clac clac clac, je monte dans la voiture et je me casse. Classe. J'ai pas d'argent à dépenser bêtement. Ça, merci maman, pour votre chez moi. Prenez le niveau 4. Ah ouais, ça fait plaisir les gars. Oh, le menteur, il va payer. Oh, je vais négocier avec elle. Je vais négocier avec elle. Bon. Les gars, venez, on réfléchit maintenant. Alors, du coup, coiffeur. Après on se pète un téléphone, on va revoir Baker et là on commence à être dans l'illégal. Avec Baker c'est bon, je suis dans l'illégal. Et ouais. La voiture. Il faut que je m'achète une voiture avec une autre carte grise. Mais voilà que les... En fait, ça quand t'es un joueur lambda et t'es pas un flic, comment les gens ils jouent? On est 5000 sur le live, ah ouais. Eh bah les gars, bienvenue à vous, ça fait plaisir la famille hein. Non, vous avez bien raison les gars, prenez des popcorn, ce soir c'est la fête. Ce soir les gars, c'est la fête. Parce que le but c'est pas non plus de rester caché, je pense que vous vous en doutez. On est presque 6000, ah ouais. Bah franchement les gars, ça fait plaisir. Et on rush les 10 000 ou... Ouais non, je suis évident, ouais non. Ouais non, peut-être que je suis un peu trop optimiste. Mais ouais, le but c'est pas de rester caché, de rien faire. Attends, il tourne là, Peter. Lui. Merci Lucas pour les 100 bits. Merci Zerka pour le sub offert. Et Stan pour les 5 subs. Et Aza pour le deuxième mois. Merci la famille. Merci beaucoup. Les 2800 subs, let's go. Let's go. Let's go, les gars. Ah oui. Bah. Les staffs, ils ont dit quoi sur la scène d'hier? Les staffs, les gars, ce qu'ils ont dit sur la scène d'hier, franchement, ils ont kiffé. Même Gilles Tommy, je lui ai envoyé un message. Je sais plus ce que je lui ai dit. En gros, je lui ai dit désolé si j'ai un peu tout cassé, ça va exprès. Après, il m'a dit c'est le RP, ça tue. Enfin, Zama, donc c'est cool. Non, moi au début, j'avais peur. J'ai eu trop peur. Non, les gars, voilà, j'abuse pas. Non, mais parce que dès que je vois un flic maintenant, je pète un câble. Stress total tout le temps. Et ouais non, franchement ils ont kiffé. Ils ont kiffé de fou carrément. Et même Cletus, parce qu'à la base on devait pas lancer une guerre justement. Ça je vous l'avais dit, je peux faire ce que je veux sauf lancer une guerre. Et il m'a dit bah ça devait arriver à un moment donné. C'est elle je crois. Ouais c'est elle. Bonjour monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Ouh, pas mal les blaises. J'en ai marre. Comment vous allez, monsieur? Bah, ça va très bien, et vous? C'est vous le monsieur 1000 dollars? C'est moi, monsieur. Mais comment? Monsieur 1000 dollars. Qui a dit ça? C'est vous? Moi, j'ai dit ça, moi? Ouais. Mais n'importe quoi. Si. Jamais dit ça. Bon, je peux retirer juste la musique de Aya Nakamura, s'il vous plaît, dans votre magasin? Je suis pas sexiste, hein, mais voilà, ça me dérange un peu, personnellement. Bah, baissez le son. D'accord. Oh, mais ça, c'est fait. Vous êtes un gang féministe? Ouais, on va s'occuper de chacun. Il y en a une qui va s'occuper de tes cheveux, l'autre de ta barbe, et moi tenue vestimentaire parce que là c'est pas ouf. Non, elle ah, du coup vous allez dire, et l'autre de le zizi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'il vous faut là?
Alors attendez, excusez-moi juste, j'enlève un peu mes accessoires, hop là. Ah oui, vous enlevez votre postiche. Alors madame, l'objectif c'est un relooking total. Oh, par contre, vous pouvez éviter de me déshabiller, c'est de l'agressement sexuel, ça va dans les deux sens. Madame, on se calme. Imaginons, moi je vous touche les fesses, là vous aurez crié, vous aurez fait un thread sur Twitter. Oui, là, mais vous, non. Si je vous touche les fesses, vous allez pas crier, vous allez être si. Content, donc fin de l'histoire. Quoi? Vous insinuez est-ce que... Est-ce que vous avez un taser? Non, du tout, pourquoi? Non, ça y est, elle recommence avec ses tasers. Non, pourquoi? À mon avis, si la blonde, là, elle vous touche un petit peu par-ci, par-là, avec les bzesses qu'elle a, je pense pas que ça va vous déranger, on est d'accord? C'est vrai qu'on dirait un peu Hakimi qui déborde au côté droit, mais... Hakimi et Mbappé à côté. Mais moi, personnellement, ça m'excite pas. Je dirais plutôt que vous êtes des putes. Ah, voilà. Je sonne... Bon, t'es une non, je rigole, c'est une blague, je vous jure. Non, pas dehors. Rentrez-moi à l'intérieur. 1000$. Non, les 1000$. Madame, 1500. Mais non, 1500. 1500. 2000, rentre vite, lâche-moi, madame. Fils de pute. Bon, s'il vous plaît, coupez-moi vite les cheveux qu'on joue. Mais du coup, 1500 dollars. Si on enlève. Il y a ma grand-mère à côté, je suis en train de crier là. Vous voulez avoir des cheveux qui vous grattent dans le dos? J'ai rien compris, du madame. Vous voulez quoi, monsieur? Mais je rigolais vraiment, c'est de l'ironie. Hein, Bah oui. Bah, genre un truc comme ça, genre un truc, voilà, un relooking total. Genre pour pas qu'on puisse vous reconnaître? C'est pas ça. Genre une teinture noire déjà pour commencer? En fait, il veut passer inaperçu, je pense. Il veut pas. Non. Pourquoi vous dites ça, quand même? Je dirais plutôt, imaginez. Ouais, genre ça. Retournez. Un délire comme as, ouais. Ça? Non, pas vraiment ça, mais genre un délire. Genre, imaginez, vous avez un mec là actuellement, il est en cavale devant vous. Genre, imaginez. Ouais. Il veut un dégradé, quoi. Voilà. Et ben, en gros, le but c'est de changer tout. Moi, je pense. Que plus c'est gros, plus ça passe. Vous voyez, genre. Vous êtes grossophobe, madame? Vous insinuez que les gros ne passent pas partout, c'est ça? Vous êtes. Non. Alors, c'est juste que si jamais éventuellement. En tant que gros lard, madame, je suis vraiment outré. Non, alors, il n'y a pas à être scandalisé. Madame, en tant que. Moi, je suis personnellement, regardez, je suis vraiment un halouf, madame. Et donc, mais moi aussi, je suis une haloufa, vous voyez? Donc, il n'y a pas de problème. C'est quoi ce mot? Je comprends pas. C'est les maghrébins là avec le ramadan et tout ça là, il m'énerve. Alors, ouais, non. Est-ce que vous voyez un truc qui vous plaît? Franchement, non. Attendez, mais allez, mais doucement. Ah, pardon. Enfin, plus vite. Mais non, mais pas autant doucement quand même. Non, mais. Là, retournez. Ça, un délire. Ouais, ça, c'est nickel. Ça vous va ça, pas c'est du bien tout. Oui, c'est exactement ce que je voulais entendre. Ça me va pas du tout. C'est ce qu'il fallait. Ok. Avec une teinture blonde. Y a moyen de faire des pointes en blond ou pas? Je crois que cette coupe-là, tu peux pas changer la couleur. Non, on peut pas. Par contre, y en a une un peu du même style où il y a des espèces de perles au bout qu'on peut mettre en blond. C'est grave chum, les gars. Oh putain. Non. Pourquoi y a Big Mac qui est rentré là? Sort de la clocharde. Hein. Comment tu parles, toi? Non, c'est une blague. Du coup, on sait faire coiffer. Non, ça va, moi. C'est bon? Moi, oui. J'ai pas vu ce bonnet. Non, pas celui-là, avec des pointes en blond, là. Je mets l'autre avec les pointes en blond ou ouais, je laisse ça? Ouais, les pointes en blond, s'il vous plaît. Attends. Oui? Non, tourne. Oh. Non. Non, c'est très mal. En fait, moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous me dites, ah, c'est dégueulasse. Ah, mais non, mais. Moi, je cherche que des trucs de. Là, ça! Ouais! Non! Celle-là! Ouais! Mais si je mets mon bonnet, ça passe bien ou pas? Faut que j'attache les cheveux? Je sais pas, on va essayer. Attendez, je vais chercher un beau blond. J'ai un doute. Quel blond vous préférez? Ça? 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 Un blond, un bonbon? Ha ha! Ha ha! Ça? Ça? Ou ça? Ça d'avant? Ça d'avant et pas ça d'âme! Le voilà, ouais, non. Ça? Ouais, non, juste avant. Mais ça change pas là, madame. Bah si, ça change. En blanc, teinture blanc. Ouais. J'aime trop. Ouais, ça pète de ouf. Ok, super. La barbe, on la change aussi? Ouais, vous pouvez la raser tout. Je rase toute la barbe. Est-ce que tu veux qu'on t'épile les sourcils? Ouais, les sourcils, vous changez un peu tout ce qui est... Non, les sourcils, on peut pas. Les yeux, on change les yeux ou pas? Ouais, mais pas aujourd'hui, a priori. Ah merde, ok. Non, une moustache, ouais, une moustache. Une moustache. Une petite moustache. On dirait un hérisson. Épiler le torse et le dos.
Non mais on peut pas aujourd'hui les filles. Il prend trop de risques. Et n'importe quoi les gars. Est-ce que les to- le non. C'est quoi que vous m'avez dit là? Quoi couper? Putain, quoi couper? La barbe et tout, on met en noir? Ouais, en noir, ouais, un noir bien noir. Un noir, genre si Zemmour il voit, il dit waouh, c'est quoi cette barbe? Elle est un peu trop noire. Oh, la petite moustache comme ça, vous êtes grave moche. Ah ouais? Ouais. Ça part de là? Ça part de là? Ça part de là? Attendez, je regarde s'il y en a d'autres où vous êtes encore plus moche. Oh. Ok. Oh mon stage. Incroyable. Oui, là c'est super incroyable, ça. J'adore. Ah ça c'est nickel, c'est horrible. Ah c'est horrible. J'adore. Et les sourcils. Non, je pense que je peux pas les sourcils, monsieur. Sourcils, les comètes. Ah ok. Pareil. On peut pas. Ah merde, bah ça part de là, alors c'est nickel. Ça part de là. Ok. On va voir ce que ça donne. Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Ok, pardon. Oh, vous êtes beaucoup. Attendez. En vrai, y'a un délire, hein. En vrai, je suis bien. Je vous jure, y'a un truc. En vrai, je suis beau gosse, en vrai. Ouais, franchement, ouais. Par contre, arrêtez de me draguer parce que je prends ça comme d'agrément. Prenez ça comme quoi? Non. Hey, vous voulez que je vous dise un truc, monsieur? Non. Franchement, non, j'ai pas envie. Quand je drague, oui. Quand je drague, je vous jure, c'est pas comme ça. Comment ça? C'est pas comme ça. M'en fous. Bah ouais, mais du coup, je vous drague pas. Si je vous draguais, vous le sauriez. Bon, j'ai compris. Bon, bah c'est bien là, ça va? Ouais, je fais la facture. Attendez, on m'appelle. 1500$. Allô? Il va pas sortir. Ouais, t'es fou! Non, pas 1500, j'avais dit 1000. Non, 1000? Attends, t'as fait ton looking ou quoi? Je m'enregistre un téléphone, j'aurai un nouveau bigot, frérot, je te rappelle. 41-70. J'ai retenu, t'inquiète. Allez, à toutes. À toutes. Non, madame, s'il vous plaît, par contre, vraiment, je suis en galère de sous à la mort. Par pitié, je vous ai ramorté de la bonne humeur, j'ai rigolé et tout. S'il vous plaît, faites-moi. Ok. Et cassez-vous vite. Et genre, cassez-vous, mais genre très vite. Merci beaucoup, madame. Allez. Excusez-moi, merci. Madame, vous aurez pas une pièce pour la mosquée de Los Santos pour l'ouverture, en fait, s'il vous plaît? Vous voulez pas, madame, donner une pièce pour la mosquée de Los Santos? Alors, vous êtes islamophobe, je... c'est ça, madame? Je... Le port du voile à Los Santos, ça vous dérange, peut-être, non? C'est ça? J'avoue, je vais être honnête avec toi. Oui, déjà, si j'avais été la patronne de ce coiffeur là, tu serais pas partie. Pourquoi? Parce que je parle de voile? Ah bah non, directement! Non, pas du tout! Oh là là! Parce oh là que là! C'est la galère! C'est la S, comme on dit en Arabie Saoudite, c'est, ok? C'est la quoi? La quoi? La S. La S. Ah bah. La S. Ah ouais! Ah ouais, bah lourd! Non, je vous taquine, au revoir! Allez vous faire foutre! Wow! Non, je parlais bien par contre! J'ai dit, on ira jouer au foot! Ouais, la prochaine fois, vous paierez le double! Y'a pas de prochaine fois. Ah, bah c'est ça qui est bien. Bah, hey, les gars, franchement, le relooking incroyable. Par contre, j'ai pas essayé avec le bonnet si ça marche bien. Pourquoi il est en cavale? Rien, c'est juste que j'ai créé une guerre Los Santos, mais au calme. C'est vrai, quand même, ça on en parle pas assez, mais les gars, j'ai créé une guerre sur un serveur. En vrai de vrai, je crois que je vais retirer le bonnet. Le bonnet, c'est vraiment quand. Putain, on dirait vraiment un. Un mec intelligent. Un intelligent. En vrai, on dirait un SDF, hein. Il y a un air d'SDF un peu. Avec lunettes un peu. Je pense qu'on retire le bonnet. Le bonnet, c'est vraiment si on veut être un crackhead. Franchement, les gars, je suis incognito. Franchement. Même la barbe, en vrai, je peux la retirer, hein. Donc là, je vais acheter un téléphone. Et puis 41-70. Et puis on appellera Baker et petit rendez-vous et on voit pour acheter des armes et tout. Oh, je retire la barbe! Ok, vas-y. On est 6000, let's go! Ça fait plaisir, les gars, bienvenue à vous, hein. Ça fait grand plaisir. Ah non? Ah, ok. Non, franchement, les gars, on me reconnaît pas. Franchement, on me reconnaît pas. Au pire des cas, si on me reconnaît, je pars en courant. Est-ce que vous m'entendez plus dans l'oreille de droite que de gauche, les frères? Parce que je crois que je suis en train de le voir sur OBS là, c'est bizarre. Non? Ok. Les deux? Ah, c'est carré. Ah, c'est pas là qu'on achète des téléphones? Ouais, les gars, je mets pas la barbe. Et en mode, la barbe, c'est une solution si jamais on me reconnaît, tu vois. Si on me reconnaît, je mets la barbe, tu vois. Ça nous laisse une chance. Parce que si j'ai... Ouais, vas-y. Parce que là, si on me reconnaît avec la barbe, j'aurais pas de deuxième choix. Apple Store, ouais, c'est là. Mané, Johanna. Putain,
La cavale, l'illégal. Oh là là, les gars. Vive l'Amérique, abat les hispaniques, vive Trump. Wesh. Mais il est trop con. Wesh. C'est quoi ce post, cette annonce de raciste? Vive l'Amérique. Abat les... Wesh, c'est dinguerie. C'est même pas en mode il a dit il aime pas les hispaniques, c'est abat les hispaniques. C'est-à-dire si le frérot il a un pou... S'il a le pouvoir de lancer un génocide, il le fait 20 fois. Vu son annonce, ça m'étonnerait même pas. C'est vrai que ça fait... Je vous jure les gars, je suis un mec grave bizarre, mais ça me fait grave plaisir de jouer avec une autre voiture que les véhicules de flics. Ça change. Imaginez, je croise un frère en cavale. Je vois, il y a un frère, il est en train de se changer. Il est là, il est en train de se changer là. Ok, il me faut un téléphone. Et les gars, Ravi raconté. Son numéro c'est le 0609. Ok, donc comme ça, je vais mettre les deux contacts là. iPhone 13, $700. Nouveau bigot. Mais est-ce qu'il faut une nouvelle puce ou pas? Aucune carte SIM. Ah oui. Comment on achète une SIM? $10. Ok. Ok, ok. Parce qu'il y a des serveurs où il n'y a pas de SIM. Il y a des serveurs où c'est directement ton téléphone, que tu l'actives. Par contre, faut que je range mon inventaire en ça. Hein. Il est affreux. Mais comment on met la carte SIM? Ah, faut la faire pénétrer? Ah, d'accord. Attends, dis-moi pas que j'aurais pas besoin d'acheter un autre téléphone? Non. Dis-moi pas que c'est pas vrai, que c'est vrai ça quand même. Si? Ah, bah lourd. Utiliser. Ah bah lourd. Bonjour. Oh, c'est stylé. Hello. Hello. Click to open. France. Crée un mot de passe. 14, 18. Non, parce que l'autre c'était 39, 45. Mais peut-être qu'ils vont, ils vont s'en douter. Dark. Ok, let's go. Ah bah faut varier les chiffres. On m'a volé ma voix. Ah non, j'ai eu peur. Oh pétain. Le fond d'écran. Fond d'écran, laissez-moi réfléchir. Ok, j'ai déjà une idée. Attendez, j'ai même... Non, les gars, on va changer de fond d'écran, attendez. Alors, j'ai perdu mon idée. Alors, ouais. En fait, je sais pas si l'image elle va rentrer, mais si elle rentre, c'est masterclass. Attendez. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Attendez, pour d'écran, mon écran. Non! Oh non, ça marche pas. Bon. Ok, attendez. Ok. Ok. Ouais. C'est quoi, faut que je fasse copier l'adresse du lien de... Je fais copier l'image ou copier l'adresse du lien? Copier l'adresse de l'image. Ou copier l'adresse du lien. Copier l'adresse de l'image. Ok. Ok. T'es le goat. C'est vous les goats. Non, le goït. Hier, j'avais dit je suis le goït. Donc maintenant sera le goït. Ça marche. Ah, nickel. Bon, c'était pas lui. À la base, je voulais mettre JP, mais ça marche pas.
Il est banni du... Il est banni du... NON ! Il rentre pas ! Oh non ! Non, 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 je suis pas grossophobe. Non. Voilà que je vais mettre un fond d'écran classique comme tout le monde. C'est bon, j'arrête de le faire ban sinon. Allez, on va mettre Nemo. On va mettre Nemo. Hop là. Alors. Baker 41-70. Javier, j'ai l'impression d'avoir un nouveau personnage. Mais en fait, c'est vraiment la V2 de Young Fu. 555-06-09, je crois que c'est ça. Au pire des cas, on changera. Et Sully ? Oui, allô, Baker, le loser, l'appareil. Ouais, Baker, c'est Young Fu. Ouais, Young, t'es où le barlou ? Toi, t'es où ? Là, je suis à Vinewood, t'es en train de me balader avec mon Franjo. Faut qu'on soit dans un endroit hyper sécurisé parce que là, j'ai l'impression que les flics, ils sont comme des fous, là. Ah ouais ? Ah bah ils sont comme des fous, hein. Y'a 200 000... Y'a des primes de partout sur tout le monde, là. J'ai une prime sur moi ? Eh, sache que là, les flics, ils t'arrêtent pour un feu rouge cramé. Ça veut dire que là, c'est chaud de night pour toi. J'ai une prime sur moi ? Oui, y'a une prime. Y'a le commandant qui m'a appelé. Mais apparemment, elle est passée d'oreille en oreille. Ils la mettent pas en pote public. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une petite prime d'enculé. Une prime en cachette. Quoi ? Là, y'a 100 000 sur ta gueule, là. 100 000 ? Ouais. Et qui me dit que tu veux pas 100 000, toi ? Non, je te jure, je m'en bats les couilles. Moi, je veux juste t'aider. Et j'aimerais bien que tu nous aides en contrepartie. Parce que vu que t'es un sale keuf de merde, enfin un ancien keuf, on aimerait savoir des informations. S'il y a des enquêtes sur nous et tout, et j'en ai plein. On en parle en face. J'en ai plein sur vous. Bah, est-ce qu'on pourrait parler en face? Si tu nous aides, on t'aide à faire ta cavale. Mais faudra un message de bon procédé. Faudra que ça marche dans les deux sens, d'accord? Bah, moi, je suis devenu fou dans ma tête. Ouais, c'est bon, calme-toi. Okay. Si tu nous tends la main, en nous donnant des informations sur ce que les flics ont sur nous, on te tend la main. Ce soir, on te monte sur un braco pour que t'aies des sous pour ta cavale. Ok. Ça va? T'es où? Je suis à Vinewood toujours. Je suis dans une Sherman grise. On se rejoint. On se rejoint sur. Tu vois la plage? La playa, ouais, dis-moi. Au shop ballon. Quoi, tu veux commencer à prendre des ballons? Eh, tu te drogues pas de fou! Je me suis déjà lancé dans les ballons, moi, déjà. Attends, t'es en train de te mettre des ballons dans la gueule, là? Avec un baladé, on fait des ballons, oui. Mais t'es déchiré ou quoi? Tu vas finir sur une autoroute, t'es accidenté, là? Allez, viens au shop ballon, viens au shop ballon. Le shop ballon, mais je sais même pas c'est où? C'est Ouvre ton GPS? Ouais. En bas à gauche. Ah, le quartier, il y a le quartier des Vagos à côté, là. Juste à le gauche. Le Big B là, sur le GPS. Ouais, le Big B, ouais. Bah, j'arrive à tout. Vas-y. Mais en fait, on va se croiser sur la route carrément. On va se croiser, il est à Vinewood. On est juste à côté là. Merci Zeren pour le deuxième mois. Merci Music pour le cinquième mois. Merci beaucoup Nego. Oh non, non! J'ai pas dit, j'ai dit ou pas? Non, sorry Twitch! Non, putain! Non! Putain. Non, j'ai. Sorry Twitch, la vie de ma mère, sorry! Aïe! Non, oh, putain! Aïe! Ah, oh, putain! Oh, merde, y'a quelqu'un dedans, merde, du coup c'est un PNJ. Oh merde. Oh putain. Ça va? Il va bien? Bah non, ça va pas, non. Oh, c'est le principal alors. Oh putain, ma tête. Je peux pas m'arrêter, voilà que je peux pas m'arrêter. En plus, c'est une avocate. Elle a des contacts. Il a volé. Allô, Javier. Allô. J'étais là pareil. C'est quelqu'un. Et j'aimerais savoir quelque chose, Javier. Oui. Dis-moi, t'as des tips pour ce que tu fais actuellement? Pourquoi? T'es recherché, toi, par les keufs? Oui. T'as des conseils ou pas? Et pour? Pour éviter de se faire trouver. Ben, tu crois que je suis coach en cavale ou quoi, hermano?
Ok, ok, ouais, non, c'est bon. Pourquoi tu veux le chercher? Non, je peux rechercher. D'accord. En gros, moi, je fais youtubeur et là, on fait faire une vidéo comment pas se faire trouver en cavale. Ah, d'accord, ben bonne chance. Tu veux faire une interview pour ta vidéo? Ça serait bien, oui, on aimerait avoir un professionnel dans le truc. Non, ça se trouve, tu es un pourrieur, je peux pas te faire confiance. Ça se trouve. Non, écoute, Hermano, moi, je vais te dire, tu t'éloignes de tous les endroits où il y a des soirées, tu fais attention aux femmes, tu te changes de manière okay. Inhabituelle, tu changes de coupe de cheveux, de couleur de coupe de cheveux, tu oui. Changes tout ce qui est possible et imaginable afin qu'on ne te reconnaisse pas. Ok, ça c'est fait. Bah j'ai même changé mon sexe, donc c'est nickel, ok. Super, tu roules tout doucement, tu vois, tu roules, tu fais pas le fou quand tu roules. Il d'accord. Faut que tu sois invisible, le plus invisible possible. Ok. Et bonne chance. Merci. De rien. C'est bon, ça va les collègues? Je suis armé hein. Wow. Ouais t'inquiète. Comment ça t'es armé? J'ai une bombe sur moi, si vous me prenez j'explose. Mais oh non t'inquiète. Y'a un hélico, Où ça? Quoi? Ouh. Mais y'a un hélico. Vas-y on se casse. Non. Non on se casse pas. Un hélico de flic? Non c'est la lifeguard. C'est bon. Ah bon on s'en fout. Bon ça va les jeunes. On t'appelle comment maintenant? Oh, mon pote. T'appelles plus du tout, t'es fou hein. Appelez-moi Guy Soko, monsieur Sissoko. Ok. Non Guy, appelez-moi Guy. Guy de Maupassant? Non, Ben. Ben la. Ouais, non. Ben Arfa? Ouais, non. J'allais dire Ben la. Ouais, non. Ben la, Madeleine? La... Non, Ben la détail. Ah, ok. Parce que Ben Madeleine, je. Ouais, non, Guy. Je suis pas fan des Madeleines, moi. Ouais, non, Guy la débrouille. Ouais. Guidard, vas-y. Guy la débrouille. Non, Guy. Joe la balafre. Ouais, non. Seb, ça passe bien. Seb la frite. Seb la bite. Ouais non, puis on est pas là pour discuter de ça. Arrêtez de m'entourner le cerveau. C'est bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé le barlou? Explique-nous là, qu'on comprenne pourquoi on est parti en couille. Je peux pas tout vous expliquer dans les détails, mais en gros, je voulais venger mes collègues. Et donc, vous imaginez bien que j'ai dû faire des choses assez malsaines. Mais attends quoi, t'as voulu venger les tiens et c'est les tiens qui te recherchent. En gros, pour te faire un résumé en big, j'ai créé une guerre entre Cayo Perico et Los Santos sans faire exprès. Et donc là, je suis l'homme le plus recherché de Los Santos. Mais ouais, mais comment t'as fait ça? Par contre, évite de faire des grands gestes comme ça, genre comme ça devant moi là, comme ça, d'accord. Mais quoi? Mais t'as un problème? Ferme-le à ta gueule! Tu veux que je te balance tout de suite? On est là pour les. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait un salto suceur, t'as un problème? Allez hop, salto suceur. Ah, oula! Je t'arbête. On est là pour négocier ensemble, les gars! Ferme ta main, ta bouche, sous-fifre! Ouais, ferme ta narine là si tu veux pas que je respire à ta place. Bon, les gars, du coup, je voulais dire. Oui. Là, ok, donc là, les flics. Je t'ai menti, je te le dis. Faut aller que je t'ai menti, y'a pas de prime sur ta gueule. Ah, oh bah tant mieux. C'est juste pour voir comment t'allais réagir. Ok. Ouais, je parle du principe que je parle de confiance, mais j'ai vraiment un C4 dans ma voiture là. Écoute, nous là, je te le dis, on est des barlous. Ok. Livré à un flic, un mec qui, entre guillemets, a fait du mal aux flics, qui a retourné sa veste, qui est venu du côté, pas obscur, mais je dirais éclairé de la société, c'est-à-dire des barlous qui veulent s'en sortir, se faire du pognon et niquer l'État. Eh bien, bon, on est prêt à t'aider, mais il faut que tu nous aides, parce que t'as des informations sur nous, je pense, qui pourraient grave nous aider. Et okay. Nous, mais quand là, tu dis m'aider, est-ce que tu sais ce que je recherche ou pas du tout? Ah, pour moi, quand t'es en cavale, tu recherches du pognon. J'ai plutôt une liste de courses actuellement, avant le pognon. Enfin, le pognon, il est dans la liste de courses. Déjà, okay, est-ce bah, que vous avez un contact pour changer d'identité? Il me faut bien une carte d'identité pour changer de blaze. Ouais, bien sûr. Ouais, ça peut se faire, ouais. Ça peut se faire? Bah, ça peut se faire ce soir? Ça peut se faire, regarde. Chante Andrew Peterson. Ah. Ouais, c'est vrai. Pas mal. Pour les courses, je peux t'emmener à Carrefour, je connais des gens qui travaillent là-bas. Ouais, moi aussi. Mais non, oh non, vous êtes des barlous ou des guignols? Mais attends, les courses, ouais, mais je parle des courses de terroristes, pas des courses de mecs classiques. Ah ouais d'accord, t'es un mais grand je suis pas terroriste moi, qu'est-ce qu'il fait lui Baker? Mais non, mais il est con, mais Baker il est con ton collègue. Oh mais toi aussi tu veux qu'on fasse tout péter? Non, on n'est pas des terroristes, c'est vrai. Bref, je suis pas un terroriste moi. Il me faut quoi? Il me faut une bagnole avec une nouvelle carte grise au nouveau nom. Ensuite. Ouais, ça peut se faire. Non, au pire pas de bagnole, sans s'en fout. Plus tard la bagnole. Il me faudrait une arme les gars. Vas-y, ouais. Mais j'ai l'oseille. T'étais armé quand on est arrivé, tu te fous de notre gueule? Non, mais pour l'instant, j'ai qu'un C4. C'est pas. Il me faut une arme, quoi, pour des mecs classiques. Je vais pas sortir un C4 pour quelqu'un qui a rien fait. Alors là, Guy, t'es en train de nous dire. Là. Il faut un pétou. Une bagnole, une nouvelle identité. Tu veux un jet privé? Une planque aussi, une planque. Ouais, tu veux pas aussi une voiture avec qui tire des mitraillettes à l'avant? Vous avez ça? Non, mais.
Bien sûr que non. Mais bien ah sûr merde. Que non, on n'a pas ça, on mon est où là tu... Eh, on est où là? Tu crois qu'on a des choses aussi confidentielles que ça? Non, mais les gars, vous avez pas ça? Est-ce que je ressemble à un ananas pour avoir des trucs comme ça, moi? Trouver une arme, etc. Tout ça. Merci Kamzo pour ça. Attends, on va y aller par étapes. C'est mon frère. Une planque, ça c'est largement faisable, on est des barlous. Ok. Secondo, un changement d'identité ça va coûter de l'oseille, donc il va falloir qu'on monte sur des coups. J'ai de l'oseille un peu déjà. Je crois que c'est 50 000 $ si tu veux changer ton identité. 50 000 Ouais, les mecs qui font ça, ils prennent pas de risque, ils te font lâcher des big tarots. En tout cas, nous on a payé ça. Et vous, vous me demandez quoi en échange contre le contact? Bah, on veut savoir toutes les enquêtes qu'il y a sur nous, etc. Ok. Tout ce que tu sais de la police qui savent sur nous, et ça, ça vaut de l'or, ça. Mais tu sais bien qu'il faut instaurer une relation de confiance. C'est-à-dire que moi, il faudrait que je vérifie qu'il existe bien ce contact-là avant de te donner les enquêtes. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que toi et nous, là, ce soir, on va monter sur un gros coup. Si tu viens avec nous, ça nous prouve que t'es... Oh là, putain, il y a un mec qui est passé en vélo. Ouais, attention. Si tu montes avec nous... que tu fais les négociations, que tu braques les gens, etc. Ça va nous prouver que finalement, c'est pas un espèce de guet-apens masqué de ta part. Parce qu'on n'est pas certain que t'es pas en train d'essayer de nous baiser et que finalement, t'es toujours avec les keufs et que tu fais semblant d'être en cavale pour avoir des bandits dans ta poche et après les nous mettre en tôle. Voilà. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais tu vois ce que je veux dire, le truc, c'est que je suis en cavale. Ouais, mais on a besoin de savoir si t'es un mec fiable. Donc ce soir, on va monter sur un coup. On va braquer une putain de banque. Et c'est toi qui vas la braquer. Si tu la braques devant nous, ça voudrait dire que t'es un mec de confiance et qu'on peut peut-être t'aider. Mais donc là, je me mets dans la merde. Tu seras masqué. Je serai masqué, mais s'il me fait choper. Sache que quand t'es dans la bagnole de Baker le loser, te faire choper n'existe pas. Attends, mais il veut faire des trucs de terroriste, il veut pas venir dans une braquage de bijoux. Gueule, lui. Non, mais ça va pas, gueule, je suis complètement starbé. T'as pété un câble, pour. Écoute-moi bien, déjà de 1, pour avoir tout ça, faut payer un pass. Le pass, il coûte $1, mon pote. File-moi un blé. Le Allez, pass file-moi un blé, là. Bon, range-moi tes billets, guignol. Bon, Baker, j'accepte. Ouais. Ouais, un, deux, là. T'acceptes de monter sur le braco? J'accepte. Ok, bon, tu monteras dans ma bagnole, ok? Ok. Si jamais, je t'explique. Mais si jamais... non! Mais j'ai quelque chose aussi avant. Ouais. Je veux le contact d'abord. Je viens, mais je veux le contact. Le contact des mecs qui vont pouvoir changer ton identité? Ouais. C'est quoi? Non. Là, on va te laisser là. On va faire un rendez-vous avec ces mecs-là. Ok. Ils vont se masquer et tout, parce que je pense qu'ils vont pas vouloir donner leur identité, ce qui est normal. Parce que moi, je te fais confiance à 25% sur 100 pour l'instant. Ok. Ouais, je dirais carrément 15, ils me donnent même pas les $1 pour participer au truc. Bah, tu sais quoi, je pense que ces mecs-là, ils vont nous faire comme à nous. On va venir te chercher, on va te mettre une cagoule sur la gueule, ils vont t'emmener à l'endroit là où ils font leur changement d'identité. Tu fais quoi avec ton téléphone? Hey, je te jure de fou si tu nous baises. Mais non, mais c'est ma mère, elle m'envoie des trucs là. Elle t'envoie quoi? Elle t'envoie quoi, ta mère? C'est... Mais elle ça vous regarde pas. Bon bref. Pas mal les bzes, c'est pas de fou, c'est Guy. Ouais, Guy, ouais. Ah non, c'est Guy, quoi déjà? Je te jure, c'est une obèse, Guy, on va pas hésiter. Hein. Non, bref. 25% sur 100. Ouais, mais tu dis que braco. Vas-y, bref, ok. Tu bégayes et tout, mon pote. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Après le rendez-vous, là. Bah, est-ce que t'as 50 000 dollars, déjà? J'ai 50 000 dollars. Et ils vont te changer ton identité, alors. Ok, ouais, bah c'est direct. Bon. Cash. Écoute, vas-y, fais ta life, je te rappelle dans 10-15 minutes max. Et je te dis si les mecs sont chauds pour te faire ça. Et une arme. Et un pétard, ok. On va voir pour le pétard. Okay. On va voir pour le pétard. Ça marche. Et les 1 dollar, ils sont où les 1 dollar? Hein? Les 1 dollar. Plus tard, les 1 dollar. C'est du sérieux, mec! J'ai pas le temps pour tes conneries! 50 000, ça se fera 50 000 et 1 dollar, mon pote. Ça marche. Je dis pas les 1 dollar. Et Guy, ouais. Le pétard, si tu veux qu'on te le vende, va falloir que tu nous prouves que t'es capable de braquer une banque devant nous, ok? Donc d'abord, là, tu sais quoi, on fait le premier pas vers toi, on est des barlous. On va demander au mec pour changement d'identité. Attendez, on va parler. Ça sera notre premier pas à nous. On part bon, à toi, qui vont dormir. On va braquer la banque devant nous pour nous prouver que t'es de confiance. Ok. Et notre deuxième pas à nous, ça sera de te vendre un pétard. C'est bon? Ça marche. On te recontacte à toutes. À toutes. Les gars, voilà que je sens mal. Donc là, il a dit qu'il y avait une prime. Ensuite, il dit qu'il y avait pas de prime. C'est bizarre, c'est trop bizarre. Et 50 000, ça me paraît correct pour les gens d'identité. Mais il y a vraiment un truc qui va pas là.
Vraiment un truc qui va pas, les gars. Enfin, je sais pas. Son plan est bien, y'a pas de plan pour l'instant. Lui, il veut juste des infos. Mais il veut des infos qu'il connaît déjà en plus. Ok. Pour trouver une arme, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut pour trouver une arme? Comment je trouve une arme? Je vais au Bronx. Je vais voir Sully. Ravir, les gars, arrêtez avec Ravir. Y'a pas que Ravir, il est en cavale. Pourquoi il va me vendre une arme à moi? Et qui. Enfin, tu sais ce que je veux dire? Enfin, laisse. On va aller voir. On va aller voir. Comment ça s'appelle? Compton. C'est sûrement les flics là? On va aller à Compton, on va voir Sully. Ah, mais j'ai pas de. Les gars, l'argent. Du coup, mais comment je fais pour payer une arme? Par SMS? Pour de vrai ou pas? On roule doucement. Tranquille, wesh. Les gars, au pire, ça part en poursuite. Au pire, je m'arrête. Et qui a partagé sa potion? Mais comment ça fait que je reçois des messages de ça encore? Ah, ok, c'est un petit bug. Faut que je décore au coup, je crois. Faut pas se battre. Excusez-moi. Ouais, dis-moi. Je suis à la recherche de Sully, vous savez où je peux le trouver? Je le connais pas. Désolé. Ouais, Sully, il est à l'abri là-bas, pas loin. Merci. Loser. Mais c'est quoi ce rafé, wesh? En plus, il est là-bas, Sully, je l'ai entendu. Oh. Eh, Sully. Sully, monte dans la voiture. Attends. Taille de BMX. Olé. Oh merde, c'est qui ça? Voilà, Bishop. Yo, Bishop. Bishop. Oh, dinguerie, ça. Alors, c'est quoi ce bordel? Mais pour nous, c'est qui ceci? Putain. Attends, tu vas me faire une prise de catch là? Non, mais non. Ah, je suis là, il me fait une prise de catch. Y'a deux mecs qui viennent de se faire kidnapper là devant vous. Allez, vas-y, pense à vous les gars. Monte, Sully, on va parler à l'argent. Monte. Tu pars dans n'importe quelle voiture, toi? T'inquiète pas. Ça va, Sully? Ouais, c'est qui là? C'est quelqu'un. Yo, comment ça, quelqu'un? Tu me reconnais pas? J'ai un peu changé. Non. Tu me reconnais pas? C'est de fou. Ouais, en plus, j'essaie de te contacter juste avant, putain. Ouais, j'ai changé de téléphone, etc. Tu te dis quoi, toi, en forêt? T'as pas vu les annonces? Non. Je suis l'homme le plus recherché. C'est ce que je t'ai vu faire hier. Je t'ai vu prendre Cletus en otage, toi, t'es fou. Tu m'as vu ça où? Au fête foraine là. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui te passe par la tête, petit con, va? T'es flic, toi? Je suis plus flic, Cletus. Cletus, c'est pas moi ça. Ah merde, je suis ouf. T'as trop peur de lui, toi, maintenant. Ouais, j'ai peur de lui. Ferme-la, t'es afro-américain, n'oublie pas ça avant tout. Yo, moi, mais toi aussi t'es afro-américain, il veut quoi ce con là? Non, moi je suis chinois. Bref. Chinois, ouais. Bon, en quoi je peux être utile, mon gars? Toi, j'ai beaucoup d'informations sur toi, Sully. Je sais qui t'es, je sais ce que t'as fait. Je sais ce que tu feras. Ouais, ce que tu vas faire, ce que tu étais. Je suis imprévisible, hein. Je suis imprévisible, donc... Bon bref, arrête de me faire le mec mystérieux, Sully. Attends, allô, ouais, t'inquiète, tout va bien, là, je suis en discussion. Allô, ouais. Putain. Vas-y, ben, chassez-les, ces petits fils de pute, là, trouvez-les-moi. Eh, j'arrive, je termine mon rendez-vous et j'arrive. Rendez-vous? Tu crois qu'on est en date, sale petit bâtard? Bah ouais, hein. Tiens tes mains, les mecs qui te recherchent activement. Ouais, bon, Sully, ouais, j'ai besoin d'une arme. Une arme? Ouais. Tu vends des armes? L'argent, toi. Bon, écoute, ça peut peut-être s'arranger, hein, maintenant. Tu sais très bien que c'est des trucs qui restent assez précieux, hein. Bien sûr. Toi, tu serais capable de mettre combien, là? T'as de l'argent, t'as quelque chose? Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est toi, tu serais prêt à me la vendre combien? Ah bah moi, mon gars, là, étant donné que t'es un flic... Je suis plus flic! Yo, mais t'as vu, moi, ça peut me mettre dans les problèmes, hein. Ces mecs-là peuvent remonter jusqu'à moi, qui me dit qu'il est en train de simuler tout ça pour avoir une enquête. Mais regarde le Weezer News, Sully. C'est vrai. Regarde le Weezer News. Sully, regarde, je vais t'expliquer un truc. Actuellement, je te demande une arme. Je te demande une arme. En plus de ça, je risque d'avoir besoin de tes services plus tard.
Ça veut dire qu'en gros, je vais être un client fidèle. Chez toi. Ok. Je vais être un client fidèle. Donc en gros, dire, hein, mon gars, là, les armes, ça se fait rare dans la street, hein, ça va au moins avoisiner les 50 000 $. Tu mens? Ah bah non, je mens pas. Hein. Tu mens pas? Mais j'étais flic avant, tu sais, on fait des enquêtes, on apprend un peu le business, on étudie le marché. J'ai plus mon nom, je suis plus flic. Yo, mais t'as fait quand même ton équipement, tu t'es pas barré avec de l'équipement. Il m'avait menotté, etc. Je me suis barré. Tu braques les tues et tu voles même pas ce qui. Rends compte tout ce qu'il a lui, cet enculé là. Oui, mais c'est plus compliqué que ce que tu penses, clochard, va. Moi, clochard, moi. Non, pas, non, pas toi. Et bref, 50 000, mais tu me prends pour un con, quoi. Yo, pour de vrai, je te prends pas pour un con, hein. Moi, si je fais ça là, ça me fait un sacré trou dans mes stocks. Comment ça? Bah, yo, tu connais, nous on est bien armés, mais c'est un gars armé en moins. Je te file un pétard. Vous achetez ça à qui? On achète ça à plein de gens, t'inquiète mon gars, t'as pas à savoir. Putain. Bah oui, pour moi c'est 20 000. Hein. Tête. Pour moi c'est 20 000. Et toi, sache-le, hein, personne va jamais donner de contact mon gars, t'es ancien flic, là, t'es dans la merde. Bon, ça marche. Et pour le contact, combien tu me le vends? Je peux peut-être, tu sais quoi, je peux peut-être essayer d'ajouter un Beretta à ma commande pour te le vendre à toi. Hein. Maintenant, je te promets rien, mon gars, il faut que tu sois prêt à mettre les thunes, hein. T'as pas dosé de côté là. Si. Combien? Je te propose 30 000. 30 000 pour un pétard, yo, t'es au courant que même moi je les touche pas à ce prix là. 35. Ça pareil, je fais aucune marge. Tu fais aucune marge, mais. Mais tu crées une relation, mon gars, de confiance. Je suis là pour l'oseille. Mais l'oseille, tu l'auras à long terme. L'oseille, je dors à l'interne. Et qui me dit que toi, tu vas pas acheter mon pétard, aller faire de la merde avec et mourir avec? Moi, si je te mais vends t'auras rien perdu. Qui permet de tuer d'autres flics et de tuer des mecs du cartel de Caillou, pourquoi pas? Mais là, si je te vends un pétard pour que derrière, tu te fasses canner à la première chose que tu vas faire, je suis 100% perdant. Tu vois ce que je veux dire? Mon pétard, il retombe dans les mains des tu flics. Tu seras pas perdant, n'importe quoi. Qu'à moi. Qu'est-ce que j'en sais, mon gars? Un flic qui agit solo, tu sais ce que c'est ou pas? Je suis plus flic. Mais yo, t'es un ancien flic, personne te fera confiance. Et j'ai plus gars. D'oseille. Zéro. J'ai 35 000. Putain, 35 000, t'es pas dans la merde, toi. Comment là, je peux t'as faire rien, là, t'as pas d'arme. Non, j'ai pas d'arme, il me faut une arme. Putain. Mais tu vas créer une relation de confiance de fou. Écoute, yo, je suis censé recevoir une commande ce soir. Si t'as un numéro? Yo, je te donnerai aucun numéro, de fou, t'es con ou quoi? J'avais ton numéro avant, sale clochard. Ah, le mien. Ah, mais j'ai cru que pardon. Tu parlais des fournisseurs, 1222, mais moi je t'ai appelé tout à l'heure, hein, sur ton num. J'ai changé de numéro. Ouais. Je suis censé récupérer une commande ce soir, ouais. 555-1222, je suis censé recevoir une commande ce soir. Et si j'arrive à rajouter un petit truc à la commande, on peut peut-être en discuter, hein. Maintenant, je m'appelle Guy maintenant. Guy 2 Guy de Besbar. Ouais, comme Guy de Besbar, ouais. Putain. Toi, t'es vraiment un petit con, toi. Et tu comptes faire quoi avec ce pétard là? Vas-y, dis-moi en plus, hein. Moi, je vais pas te vendre un pétard. C'est simplement pour me défendre. Mais tu sais quoi, la suite? La suite? Tu vois quoi, frère? Finir mon travail. Finir Cletus. Ok, heureusement qu'il a crash. Faut pas que je dise ça. Heureusement. Ok, pas finir Cletus. Non. Il a crash. Ok, nice. Super. Faut pas que je dise finir Cletus. Pourquoi un pétard? Au revoir, messieurs les agents. Vous êtes les bienvenus ici. On vous adore. Tu m'as fait quoi, tatouage? Elle? Ça, c'est une alpha, ça. C'est jamais... Ah ouais? C'est le côté, s'il vous plaît. Allô? Monsieur? Bonsoir. Tu lis? Sortez du véhicule, s'il vous plaît. Oui, attendez, parce que je peux pas parler. Oui. Sortez du véhicule, s'il vous plaît. Bonsoir, oui. Sortez du véhicule. Contre le mur, s'il vous plaît. Pourquoi contre le mur? S'il vous plaît, on a eu du coup la caractéristique de ce véhicule en radio contre le mur, s'il vous plaît. Faire un contrôle de routine. Un contrôle de routine contre le mur? Oui. S'il vous plaît. Donc, vous faites un contrôle de routine, vous mettez contre le mur? Contre le mur, le jeune. Non, je veux un avocat, c'est un vice de procédure. Vous avez pas vu les annonces?
pour dire qu'on était en état de vigilance. Du coup, vous écoutez. Ah, je savais pas du tout. Ok, très bien, pas de soucis. On a de sécurité pour la vôtre. Y'a pas de problème. Passez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Mettez-vous à couvert. Ah, j'ai oublié ça chez moi, oui. Les autres agents, s'il vous plaît. Circule là, Jamie. Oh, c'est une pute. Jamie, par contre, tu vois le jeune, tu vois le jeune. Ouais, ouais. Bouge de la droite. Bouge. Bouge, Jamie. Allez, Jamie, bouge. Allez, bouge, Jamie. Bouge. Allez, repartez dans le véhicule, monsieur. Merci. Mon code 4. C'est bon, code 4. Il a rien fait. Allez, à part. Faites attention à vous. Au revoir, oui, vous aussi.